Eh bien, la petite plante que nous avons le privilège de présenter maintenant est c'est une plante annuelle ou bisannuelle. Cela dépend donc des conditions de pluviométrie ou d'humidité, qui est originaire d'Amérique centrale. Il s'agit de Datura inoxia. Voici un pied ici, et qui peut atteindre facilement, disons, 1,30 m à 1,50 m de hauteur, hein. Si je prends ce pied-ci, voilà, je déploie ma règle et je regarde. Alors là, on est à 1,40 m ici, 1 m, voilà, celui-là fait à peu près 1,40 m. Et donc 1,50 m, quoi. Donc ça peut facilement atteindre cela. Et c'est une plante, on va dire, hein, sous-ligneuse. Parce que quand on prend les tiges déjà séchées, on voit que c'est assez creux. Mais quand tu casses quand même, tu sens un peu de bois là-dedans. Il y a un tout petit peu de bois, il n'y en a pas beaucoup. Donc ce n'est pas tout à fait herbacé non plus, c'est sous-ligneux, on dit. Et cette plante, on va la trouver le plus souvent, disons, autour des... aux endroits comme les immondices, hein, c'est-à-dire là où on trouve les déchets. Donc c'est une espèce ruderale, c'est-à-dire qu'on va la trouver surtout là où les hommes habitent, sur leurs décombres, les immondices, etc., etc. Et elle est très très facilement reconnaissable grâce à deux signes particuliers. Ce sont ses fruits, hein, qui se présentent sous forme de, voilà, de capsules ovoïdes avec des épines très visibles. On voit ces épines-là, hein, qui rappellent un tout petit peu les représentations de, on va dire, de microbes, hein, qu'on voit dans certains documents. Et d'autres deuxièmes caractéristiques, c'est ces fleurs. Ce sont des longues fleurs blanches, hein, surtout les, disons, les pétales, hein, sous forme de trompette. Là, on voit celle-là est dressée, celle-là est retombante là. Donc avec ces deux caractéristiques, on peut reconnaître facilement la plante. D'ailleurs, on l'appelle en français, hein, Datura inoxia, on l'appelle la trompette de la mort. Alors, pourquoi cette expression? C'est parce que c'est en même temps une plante très très excitante, qui s'apparente plutôt même à des drogues, hein, et dont les graines ou les feuilles peuvent donner des sensations, disons, assez accusées, hein, comme des hallucinations. Et donc c'est une plante qui est connue dans la zone intertropicale en Afrique, mais on trouve dans la littérature rapporté que c'est plutôt originaire d'Amérique centrale. Lorsqu'on regarde depuis la base, la tige, là, on voit qu'il s'agit d'une tige plutôt d'un marron un peu clair, hein, tirant sur le jaune. Et quand on touche, on sent, hein, surtout quand c'est assez jeune, on sent une fine pubescence, hein, qui n'est pas très visible à l'œil nu, mais quand on touche la tige, il y a une certaine pubescence qui est là. Voilà. Maintenant, quand on monte évidemment vers des rameaux plus jeunes, hein, des rameaux plus jeunes, on voit, ça devient à ce moment verdâtre. Et donc, et la pubescence est d'autant plus prononcée, verdâtre. Alors, on ne remarque pas de latex, en particulier là, il n'y a pas de latex. Hein. Et on peut voir qu'il y a des... la tige est légèrement mouchetée, donc quand ça devient jeune, on perd un peu cette coloration, disons ces petites taches de marron, qui vont être plus abondantes vers les tiges un peu âgées. Alors maintenant, on peut décrire un peu les feuilles, hein. Je tiens là un rameau, donc un rameau feuillé. Et les feuilles, on peut les décrire comme des feuilles simples. Elles ne sont pas disposées vraiment, on peut le voir. Les feuilles ne sont pas disposées opposées, par exemple, deux à deux. Ce n'est pas le cas. Ce sont des feuilles simples. On ne peut pas dire non plus que c'est verticillier ou encore que c'est. On ne peut pas dire non plus que c'est, disons, disposé de manière spiralée. C'est des feuilles simples. Est aussi couvert d'une pubescence assez abondante, aussi bien sur la face supérieure que sur la face inférieure. Hein. Quand on regarde le limbe, hein,
On voit que c'est assez découpé. On peut distinguer les lobes. Mais surtout, il faut remarquer d'abord, c'est qu'à la base ici, la façon dont le limbe s'attache sur le pétiole n'est pas symétrique. On dit que à la base, c'est asymétrique. Ce n'est pas seulement cette feuille. Toutes les feuilles sont comme ça. Donc, c'est asymétrique à la base. Et cunéiforme vers le haut. Un bout plutôt assez pointu. On peut distinguer les lobes. Là, par la pointe. Un ici, deux, trois, quatre, serait le central. Cinq, six. Voilà, on va dire six. Puisque c'est asymétrique. Bon, ça ne va pas donner un nombre impair. On aurait pu parler de lobe central, c'est-à-dire la partie centrale ici, et puis parler d'un nombre pair de chaque côté. Mais ici, donc, en comptant, c'est 6. Parce que, et à cause de cette asymétrie, on a l'impression que le dernier lobe de ce côté ne s'est pas formé. Alors, quand on regarde la face qui regarde vers le ciel, là, la couleur est plutôt vert foncé. Tandis que la face inférieure, celle qui regarde vers le sol, vert un peu clair, avec une fine pubescence blanchâtre. Et c'est au dos, justement, donc la face qui regarde vers le sol, qu'il conviendrait de compter plutôt les paires de nervures, ou bien le nombre total de nervures carrément. La nervure principale est ici. Et là, on compte quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 5 paires de nervures secondaires. Après, il y a un réseau de nervures tertiaires, etc. Alors, le pétiole, on peut prendre sa dimension. C'est des pétioles assez longs. Je vais déployer ma règle donc et prendre... Là, je mesure combien? Je mesure environ 4 cm de longueur pour celui-là. Et pour celui-là, je mesure 5, disons à peu près 5. Je ne sais pas si on voit bien, 5 cm de longueur de pétiole. Donc ça va être des pétioles généralement longs. Maintenant, les dimensions du limbe, vous pouvez regarder la largeur ici, là, 7 cm sur jusqu'au point de départ du pétiole, donc environ 10 cm. Donc ça donne une idée sur les dimensions de la feuille quand elle est pleinement développée. Mais au fur et à mesure que la plante va continuer sa croissance, donc, les fleurs vont apparaître, comme on voit dans cet exemple, à l'aisselle des feuilles, mais aussi souvent là où les rameaux se divisent, dans la division des rameaux, c'est là d'ailleurs qu'on va trouver les fruits après. Ce sont des fleurs donc tubulaires, on peut voir là avec son pédoncule. Et celui-là n'a pas fini sa croissance, mais c'est un des traits distinctifs de la plante. Voilà une fleur. On va voir d'abord le calice, qui est là, de couleur verdâtre. Le calice, formé donc des éléments de sépales. C'est verdâtre. Et quand on regarde, on peut distinguer au sommet, disons, 4 pointes. Je regarde là, une première pointe, deuxième, troisième, quatrième. Mais si on regarde dans les détails, ça peut être 5 ou 6, on peut les détacher un tout petit peu au bout, qui forment en fait les éléments de sépales. Vous voyez, c'est assez souple d'ailleurs, on dirait une sorte de chaussette. Ça c'est le calice. Donc on peut mesurer sa dimension pour cette fleur pleinement développée. Là, si je regarde, ça peut atteindre jusqu'à combien? Jusqu'au bout, c'est-à-dire 10 cm. Et le pédoncule qui porte la fleur, là, de l'ordre de 2 cm aussi. 2 cm. Et la largeur, là, ça peut aller, c'est-à-dire le diamètre, ça peut aller jusqu'à 2,5 cm, 3 cm. Après, il y a la corolle qui est là, blanchâtre, formée donc des éléments de pétales. Et si on essaie de découvrir un peu ce qu'il y a à l'intérieur, je peux déchirer donc cette feuille. On voit là apparaître quoi? Ce sont les étamines en fait, avec la tête, les anthères, qui vont contenir donc
le pollen. Et là, il y a l'organe aussi femelle hein, qui est au milieu. Bon, il y a plein d'insectes dans celui-là. Mais continuons nos investigations, on va regarder. On déchire, on descend vers le bas, là. Là, on voit donc au milieu, hein, ça c'est le pistil. Le pollen va se déposer là-dessus et donc va migrer vers la base jusqu'à l'ovaire. Là, jusqu'au fond, jusqu'à l'ovaire. Donc on voit là les étamines. Il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Et contre le stigmate, hein, avec sa base, donc l'ovaire. Donc là, le pollen va être déposé par les insectes, par exemple. Là, il va migrer jusqu'à la base. Il y aura fécondation. Et donc le fruit va commencer à se former là. Bon, ces étamines, dont j'ai compté 4, hein, on peut regarder leur longueur, c'est assez long. C'est pour ça d'ailleurs on parle de fleurs trompettes. C'est assez long. Ça peut atteindre 12 cm facilement. Après fécondation, on obtient les fruits. Je vais ramener là déjà ce rameau que j'avais derrière. Et donc voici un jeune fruit. Ce sont des capsules, on va dire, ovoïdes. Voilà un jeune fruit, de couleur verdâtre d'abord. Et déjà on voit les épines qui se dessinent là, les épines qui sont présentes. En fait donc, ces fruits qui sont très beaux, comme nous l'avons dit, hein, avec cette membrane qui s'est repliée à la base en fait, mais qui constitue en réalité, si on regarde la fleur ici, qui constitue le reste du calice, hein, formé des éléments de sépales, hein, c'est verdâtre, on retrouve ça. Repli à la base du fruit ici. Et donc avec la maturation, ce fruit d'une couleur vert clair et qui possède hein, à sa surface une fine pubescence blanchâtre. Donc on voit ce fruit dont les épines n'ont pas encore séché. Voilà, c'est assez souple, je peux passer mon doigt aisément là-dessus, qui est en train de tourner au marron, même si on peut percevoir encore sur la partie sphérique même. De la base qui est assez souple, on peut percevoir encore cette couleur, disons, vert clair, qui va tourner carrément là au marron, donc avec les épines aussi qui tournent au marron, quand le fruit devient mûr, avec ce court pédoncule de 3 à 4 cm de long. Donc on peut couper un de ces fruits pour voir comment se présentent en fait à l'intérieur les graines. Et donc là, si j'enlève celui-là. Alors, c'est assez délicat, il ne veut pas se laisser prendre. Ok, là, je coupe le pédoncule. Voilà. Je vais essayer d'ouvrir directement le fruit. En ce moment, c'est bien de prendre peut-être sur le corps, hein, la partie, la masse sphérique. Et vous voyez les graines qui sortent déjà. Hein, là, donc, je coupe sur une, on va dire, sur une génératrice. Hein. Je coupe. Et là, j'essaie d'ouvrir. Celui-là n'est pas tout à fait sec encore. Et là, si j'ouvre, voilà, il y a de nombreuses graines qui ressemblent à des petits haricots, même forme que le haricot en fait, ou forme de rein d'homme, voilà, qui sont là. Et donc, ce sont ces graines-là, qui sont très nombreuses, qui peuvent atteindre facilement plus de la centaine, hein, hein, ce que j'ai sorti là déjà, donc à l'intérieur de la masse. On voit ça, de couleur marron. Et les dimensions, si vous voulez, on peut le donner. Hein. C'est des dimensions, combien, 3, 4 mm de long. C'est sous forme de haricots ou de forme de rein humain. Ce sont ces graines-là qui sont en fait des excitants très puissants, hein, qui s'apparentent même à des drogues, en fait. Et bon, que certains utilisent hein, comme excitants dans certaines circonstances. Mais ça peut être aussi hallucinogène, hein. Et donc ça et les feuilles sont parfois utilisées dans certaines contrées pour inciter, exciter même à une activité peut-être dans les travaux champêtres plus abondantes. Mais en tout cas, ces éléments que nous venons de présenter devraient servir à reconnaître cette plante, hein, surtout aux côtés des villages hein, où ça pousse. Qu'on appelle donc en français, bien sûr, la trompette de la mort. En ce qui concerne les noms locaux, disons Datura
Inoxia. Au Mali, certains l'appellent là-bas Almunkaikai, mais donc chez les Bambara, hein, les Malinké aussi, Almunkaikai, mais aussi certains Bambara ou Malinké disent Satiné. Satiné. Au Burkina, les Moré, les Mossi vont l'appeler Katrelantunga, ou bien Katrelantunga. Katrelantunga. Alors, quand on part au Bénin, en fond, ils vont l'appeler là-bas Sukunoma, ou bien Adboto. Adboto. En Mina, dans ce pays, toujours au Bénin, donc, ils vont l'appeler Adawatobuku. Adawatobuku. En Yoruba, ils diront Akpikan. Eh bien, au Sénégal, hein, il y a certains Mandé, les Malinké, qui l'appellent Kibé Djaro, ou bien Fuyu Faya. Maintenant, les peuples tout couleur du Sénégal vont l'appeler Yuboudé, ou bien La Fosse. Tandis que les Wolof du Sénégal vont l'appeler Ompay Bougor, ou bien Yedoul Ngon. Les Sérères vont l'appeler Dokar. Au Togo, en Ewe, ils diront, eh bien, Adahuato Buku. Adahuato Buku. Voici donc tiré justement de la documentation quelques noms locaux pour cette plante qui devrait servir à pouvoir la reconnaître.